En manchette aujourd'hui, Kebaouek comparé devant la Cour fédérale pour Chuck River et recrudescence des cas de vandalisme au cimetière de Ville-Marie. Le TV Annuel Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. C'est aujourd'hui à Ottawa que la Première Nation de Kebaouek va comparaître en cour fédérale et c'est en lien avec leur demande de révision judiciaire pour la construction du projet de gestion des déchets près de la surface à Chuck River. Une conférence de presse a eu lieu cet avant-midi et ce midi, il y a une manifestation pacifique devant la Cour suprême du Canada. On rappelle que la communauté s'oppose au projet de dépotoir nucléaire situé à 1 km de la rivière des Outaouais. Selon elle, il représente une menace pour de nombreux territoires autochtones et allochtones et met en péril la principale source d'eau potable de plusieurs municipalités. Dans notre dossier, la ville de Ville-Marie constate une recrudescence des cas de vandalisme au cimetière, dont certains ont été causés par des véhicules. La municipalité rappelle qu'il est interdit de circuler dans cet espace avec un véhicule motorisé et qu'elle peut le faire, enlever aux frais du propriétaire toute voiture illégalement stationnée sur les propriétés du cimetière. L'amusement, la grimpe sur les monuments et la flânerie sont également prohibés. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les cimetières sont assez sécurisés? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. L'opération de recherche se poursuit aujourd'hui au lac Makamik pour retrouver un homme qui est toujours porté disparu. D'après la Sûreté du Québec, des plongeurs vont être sur place tout au long de la journée. L'homme, dans la quarantaine, manque à l'appel depuis lundi soir. Alors qu'il se déplaçait sur le lac, il serait tombé de sa planche à pagaie. En santé maintenant, des médecins pourraient être formés directement dans la région d'ici 2 ou 3 ans. C'est du moins ce qu'espère l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui envisage d'ajouter le programme en médecine. Pour le moment, on parle plutôt d'une formation décentralisée, ce qui veut dire que les étudiants débuteraient leur formation à Montréal et seraient ensuite déployés dans les régions. Et d'après le recteur Vincent Rousson, c'est un projet qui va permettre de pallier le manque de médecins de famille qui sévit sur le territoire. Et d'ailleurs, en date du 15 juin, plus de 14 000 personnes étaient toujours en attente d'un docteur, d'après le ministère de la Santé. En lien avec les Premières Nations maintenant, presque un mois après l'ouverture de la maison d'intervention en aide aux victimes d'actes criminels à Picogan, le bilan n'est pas encore à son plein potentiel, mais il est fonctionnel. Pour ce qui est du point de service du Kavak Athé à Kitisakik, il est achevé, mais il n'est pas encore prêt pour des interventions avec des membres de la communauté. Leur objectif est d'avoir un centre d'intervention dans le même type que celui de Picogan et que de Kitisakik dans chaque communauté autochtone de la région. Par contre, l'organisation se frappe à des difficultés au niveau du financement. Effectivement, notre projet est vraiment d'en avoir dans d'autres communautés de l'Abitibi-Témiscamingue. Et bien sûr, il faut du financement adéquat pour pouvoir avoir faire la construction et habiller ces maisons-là et d'intervenants aussi là, pour les autres communautés. Une nouvelle technologie permettant d'effectuer de la préparation de terrain et du reboisement est actuellement testée ici dans la MRC d'Abitibi et c'est le premier engin du genre à être utilisé au Canada. Ces tests ont pour but de trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre qui touche le domaine forestier. Plusieurs lieux et surfaces différentes seront utilisés dans les prochains mois pour effectuer les tests. Nous, ce qu'on veut voir, c'est si cette machine-là peut performer dans tous les terrains forestiers qu'on a en Abitibi-Témiscamingue. Donc, qu'on parle des terrains plus argileux, plus rocailleux, où on peut avoir épais de mousse, bien, c'est évident que la machinerie doit bien fonctionner dans tous ces types de terrains-là. Donc, aujourd'hui, on est ici sur Esquire, sauf qu'il va y avoir aussi, on va faire des tests, justement, comme je disais, dans tous les types de terrains. Donc, on va être aussi sur le territoire de Saint-Félix, dans le coin de Barrault.
Sur notre sujet maintenant, la Financière agricole du Québec vient de présenter le bilan de mi-saison en assurance récolte pour la région. Et en date du 2 juillet, l'ensemencement des céréales et des protéagineuses est dans de bonnes conditions. La récolte de foin en cours est aussi de bonne qualité. Par contre, la présence d'insectes a causé des dommages dans des grandes cultures, principalement dues à l'infestation de vers-gris noir. Un gel hivernal, principalement dans les luzernières, et les épisodes orageux accompagnés de grêles ont aussi eu des effets nocifs sur les cultures produites. Pension animale, promenade canine, thérapie comportementale et même garderie à domicile. Dans la région, les services grandissent pour vos compagnons à quatre pattes, qu'Emilia Liberté explique. Chaque semaine, Chloé Bellemare promène 127 chiens à Rouyn-Noranda pour leur permettre de dépenser leur énergie. En fait, c'est de prendre la canine le plus possible en liberté, en forêt, afin que les chiens puissent explorer un peu partout. Là, je ne sais pas si on les entend. On en a deux à l'autre bout là-bas. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent explorer, qu'on se libère en fait de toutes les tensions que la ville nous emmène avec une laisse. Donc, tous les cocos qu'on voit ici, en fait, je suis allée chercher directement à domicile. J'apporte sur le lieu de promenade, on fait la promenade, puis je les rapporte à leur domicile. Un service qui continue de se populariser d'année en année et encore plus depuis la pandémie. L'augmentation en fait, des chiens dans un foyer a vraiment beaucoup, beaucoup augmenté avec la COVID. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça un petit peu sur un coup de tête aussi puis qui n'ont pas réalisé qu'après la COVID, ben, veut pas les vendredis soirs avec les amis et les petites sorties avec les enfants le week-end revenaient. Donc, ils ont besoin en fait, d'un service de quelqu'un qui vient pouvoir prendre leur chien. Chez Équilibre Animal de Val-d'Or et au Centre du Canin de Rouyn-Noranda, les bêtes ont de quoi jouer toute la journée. Et on offre un service de pension et de garderie de jour pour chiens, pension pour chats. On donne aussi des cours de groupe, des cours privés en éducation canine. On dépose son chien ici le matin, il vient jouer dans la grande cour, il vient dépenser son énergie avec les autres, puis il retourne à la maison le soir. Donc, à la maison, bien, il est plus fatigué. Les propriétaires qui sont des fois assez débordés dans le temps ont moins la nécessité d'aller marcher leur chien. L'intervenante Anne Lemay remarque d'ailleurs une évolution dans la relation qu'entretiennent les maîtres avec leurs chiens depuis quelques années. On n'est pas il y a là, 20 ans là, au niveau de la relation que les humains ont avec leurs chiens. Je pense que maintenant, on est beaucoup plus attentif à leurs besoins, on est beaucoup plus attentif à leur bien-être ou même leur mal-être. Et pour ceux qui préfèrent faire garder leur animal directement à la maison, c'est aussi une alternative possible. J'offre des services de garde animalière, soit chez les personnes ou j'ai ma petite pension chez moi pour garder, mettons, les chats d'une même famille. Je garde aussi des lapins, des poules, des hamsters, des reptiles. J'ai gardé un caméléon l'année passée, c'était tellement drôle. Et en plus de tous ces services offerts dans la région pour vos animaux, vous pouvez aussi les amener jouer au parc à chiens. Vous en trouverez un ici, à Rouyn-Noranda, un à Val-d'Or et un à Présac. Allez, Romy, va chercher! Qu'Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le théâtre de la Veille Grande, de la Vieille Grange, oui, est de retour tous les mercredis et dimanches du mois de juillet à 14h à Macamic. La pièce humoristique présentée par la troupe et l'habit ne fait pas le moine. Et les portes de la Grange ouvrent avant chaque représentation à 13h. Il y aura de la musique folklorique et l'exposition de la collection Claude Morin de voitures à chevaux. Le grimpeur Philippe Larouche a reçu le prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollar Morin. Depuis près de 20 ans, il est dévoué à la croissance de l'escalade en Abitibi-Témiscamingue. Le sportif a d'ailleurs développé de nombreux sites avec plus de 170 voies d'escalade en extérieur et a aménagé des sentiers pour l'accès aux parois. Il a aussi transformé une montagne entière entre Saint-Félix-de-Dalquier et Amos qui offre plus de 115 voies d'escalade et 15 km de sentiers. Toujours au sport, c'est lundi prochain que sera donné le coup d'envoi de la 54e édition du Tour de l'Abitibi Glencore. Les derniers préparatifs vont bon train, mais certains détails à régler inquiètent encore les organisateurs. Le reportage d'Alexis Dumont. À 6 jours du début des épreuves, plusieurs équipes ont été dans l'obligation de se désister en raison de problèmes au niveau des visas internationaux. On était supposé d'avoir 21 équipes, dont 10 régionales et 11 internationales. Et naturellement, on en a déjà 4-5 qui ont dû se désister parce qu'on n'a pas été capable d'avoir les visas à temps. Plusieurs formations de l'extérieur de la région y seront tout de même et l'organisatrice confirme que la qualité du spectacle sera au rendez-vous. On en a 4 internationales, je peux déjà vous les nommer, le Canada, les États-Unis, la France et le Japon. Ça, c'est sûr qu'ils vont être là.
On est en train de travailler sur 4 équipes. Je vous dirais que grâce à notre députée régionale Sylvie Bérubé et son adjointe Mélanie Matte, qui font un travail exceptionnel à nous aider à avoir des visas, je me croise les doigts vraiment pour qu'on ait au moins les 4, sinon 3. Autre bémol cependant, le manque de bénévoles frappe encore. Il vous en manque combien, mettons, ce que vous avez là? Je vous dirais une 40aine par jour. Madame Rocher mentionne l'importance des bénévoles pour l'épreuve et espère que plusieurs personnes se manifesteront dans les prochains jours pour venir prêter main forte. Pour organiser une course de cette envergure-là, oui, ça prend des partenaires, oui, ça prend une ville extraordinaire pour nous aider, mais ça prend avant tout des bénévoles. Donc, les bénévoles, tous les gens qui veulent s'impliquer peuvent aller s'inscrire sur tourabitibi.com dans la section citoyens. On en a besoin à tous les jours présentement. Malgré les embûches, l'engouement est au rendez-vous. Dès la fin de la présente semaine, plusieurs structures seront mises en place à Val-d'Or et la ville vibrera au rythme du cyclisme. L'engouement est assez à son maximum cette semaine. On a déjà commencé à préparer les chambres des coureurs, donc toute la centrale administrative est en train de se mettre en place. Jeudi, vous allez voir la structure locale aussi se mettre en place au centre-ville de Val-d'Or. Rendez-vous donc lundi pour le début de cette 54e édition du Tour de l'Abitibi-Glencore, la seule manche nord-américaine d'ailleurs au calendrier. Et le tout va s'amorcer avec la traditionnelle épreuve du Challenge Sprint. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles à Val-d'Or. À la météo aujourd'hui, on le voit que le ciel s'est un peu assombri, donc ce sera donc nuageux sur tous les secteurs avec un 60% de probabilité d'averse au Témiscamingue et il fera un maximum de 23 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est la même tendance, on aura des nuages avec un 60% de probabilité d'averse au sud et il fera un minimum de 16 et 18 degrés. Je termine avec la tournée Sport Expert présentée par la Banque Nationale qui est de retour pour une 31e édition et elle va s'arrêter à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or les 24 et 25 juillet prochains. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et on se retrouve tout à l'heure.